Ok, Boris, rapproche-toi d'eux, on va pas tarder à sortir de la route. À côté du bâtiment, vous attendez, on partira en finir par route. Autour du bâtiment, je demanderai aux deux chefs de groupe de venir faire un petit briefing rapide. Okay. Oh, quelle belle petite retraite! Ah, bah elle est plus si belle que ça maintenant. Allez, tu gardes le camion? Si, c'est bien, c'est bien. Allez, tout le monde débarque. Respect de l'habitant. Okay. Essayez de vous placer où il y a des trous pour faire une sécurité à 360 avec, avec Bravo. Ok. Il y a 12 grenades, donc bon, ce serait dommage d'en laisser. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va aller sur le point de repli pour s'assurer qu'il est vide de tout ennemi, de tout hostile. On essaiera d'en profiter pour observer rapidement l'ouest et le nord du point de repli, et éventuellement le château de Zub si on a visu sur. Dans une deuxième phase, dans un deuxième temps, on va s'approcher du château de Zub, donc depuis l'angle sud-ouest. Puis Alpha contournera par la droite et Bravo contournera par la gauche. Dans une troisième phase, on mènera à nouveau l'observation et on traitera les éventuels renforts. Puis nous pénétrerons à l'intérieur du château de Dupe dans une cinquième, dans un cinquième. Est-ce que c'est bien pour tout? Est-ce que c'est bien pris pour tous vous deux? Confirme, on va sur le point repli pour voir s'il est bien inoccupé et on check nord et ouest. Oui, rapidement. Nord et est ou nord et ouest? Nord et est. Nord et est, d'accord. Bah ouest aussi si t'as du visu, mais on s'en fout un peu. Enfin un peu moins, un peu plus. C'est bon pour vous? Ouais. Pas de question? Si, une. Ouais. Pour Alpha, si on compte par la droite, on va passer devant l'entrée. Les fondations sont solides. Il faudra la passer rapidement et garder un binôme, enfin un mec ou un binôme en protection pour éviter que les mecs sortent de l'entrée. Pendant que... Okay. Bah nous, quand on ça c'est le chef de groupe. Quand on ne parle pas à la droite, nous, elle a... Si, vous êtes... J'ai dit quoi? J'ai dit bravo à gauche et... T'as dit bravo à gauche alors que les points ne sont pas respectifs à la couleur, en fait. Ah, d'accord. J'avais dit que ça, on s'en foutait et qu'on verrait après. En fait. Comme tu okay. Veux. Ok. Non, on va garder les points, c'est une bonne idée de les avoir mis. Donc bravo à droite et alpha à gauche. D'accord. Ok. Progression jusqu'à repli et progression de repli à Zub. Progression jusqu'à repli en colonne, progression jusqu'à Zub en ligne, puis on repassera en colonne pour les derniers mètres, histoire de réduire la signature. Qui ouvre la marche? Bravo, ouvre la marche. D'accord. Ok, okay, reçu. C'est bon pour vous? C'est bon. Ok, bah top départ alors. À ton top d'arnaque. Enfin, vous faites un briefing à vos hommes si vous voulez. On va avancer et on fait pampan. Je crois qu'ils ont entendu. On a entendu un coup dès que je crache 148. Ah, vous avez peut-être des ordres complémentaires à donner, mais si c'est bon, ok, on est parti. On est tous des soldats surentraînés, on sait ce qu'on a à faire. On avance et on fait pampan avec classe. Ça, c'est ouais, on avance et on fait pampan. Bah, tu sais, la vieille, c'est des soldats, hein. Faut pas trop commencer à utiliser des mots compliqués. Hein. Et où Dodox? Je sais pas. Dodox? Oui. Y a que Froy qui a son doctorat après, sinon les autres. Merci. Mais t'auras ton doctorat et notre mission, Veldrid. Bon bah si c'est bon pour vous. Ok, pour tout le groupe, on va suivre Bravo qui va partir vers le sud-est, on va les suivre en colonne. Ah, je vais bien repérer où on était, nickel. Okay, ah, décours au code de... Ah voilà. Et sur la radio, vous m'entendez? Là, oui. C'est bon. Ok, nickel. Alors. Ok, on va partir vers le sud-est un petit peu. Okay, on est bien sur la petite baraque qui est en 006, 028. Ah, c'est parfait, tu ouvres la marche. F4. Et ouais. Tu prends cap. Ah, okay. Tu prends cap 100. Moi, j'appelle toujours ça 027, mais non. Ok, je suis parti.
Ah oui, 027, ouais, c'est à l'envers. Ah là. Bon, Paul, fin partie 140. Oui, mais quand tu places le curseur dessus, c'est marqué On est 20, parti en tous. Ouais, la vieille, autre débat, un autre jour. Oui, parce que la dernière fois, c'est ce que tu m'avais dit. Bon, allez, c'est parti. Non, 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 moi je dis l'inverse, justement. Bah, c'était pas toi qui m'avais repris, justement? Non, 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 moi j'ai jamais lu les coordonnées. Moi je lis les coordonnées dans l'ordre chronologique, donc pour moi on sera en 0,27. Allez hop, on les suit. Mais tout le monde n'est pas d'accord et du coup ça fait des quiproquos. Donc il faudrait bien se fixer une fois pour toutes là-dessus dans la communauté. Ouais, parce que sur la carte, comme c'est à l'envers, normalement ça devrait être 0,27. Ben ouais. Mais comme c'est mal branlé, il met 0,28 sur les coordonnées du curseur. Ou GPS, même les coordonnées GPS, pareil. Problème qu'on n'avait pas sur l'Arma 2. Ouais. Ben c'est le futur! Hop, on se fixe. Ok. Position de leader entre groupe Alpha et Bravo. On repart. Pour derrière. Hein, ça suit, ouais. Bravo, contact sur 90-100 mètres. Ok, c'est bon, sur Alpha, tu contournes par la gauche, tu essaies de les flanquer. On va contourner par la gauche, on se met en ligne. Ok, je décale à gauche. Vas-y, décale, décale bien même. Ok, je décale à fond à gauche. La patrouille se dirige en direction de la point repli, on va pas tarder à perdre le visuel. J'ai tellement décalé que je vois plus. Ah, si, c'est bon. Ok, c'est reçu. Dans ce cas, moi j'ai pas de visu, je sais absolument pas où est-ce qu'ils sont. Est-ce que tu peux. Ok, on avance doucement vers l'est, d'arbre en arbre. Parti. Pour l'instant, j'ai pas trop d'infos. Je sais juste que les mecs s'éloignent vers le point repli. Ils s'éloignent de nous. Mais ils sont en face de nous. Ok, dans ce cas on va le brouillard ça arrange pas. On va essayer de les choper. C'est pas en avance. On les passe derrière nous. Top pour premier arbre. Ok. Putain, je les ai pas les mecs. Non plus je vois rien. Donc Alpha, bravo, fais un mouvement pour essayer de choper les mecs. Essaye de te déplacer par rapport à leur propre mouvement. C'est reçu. Top. Arbre suivant. Répète, on arrête de flanquer et on avance de en parallèle. Ils vont filer vers les. Ouais, on fait ça, correct. Ok, on avance en parallèle de Bravo, là on avance sur le 100. Go, go, go. Ok, c'est but 100. Visu sur la crête en 110. Vas-y, engage. Bah non, je peux pas l'engager. Bravo pour leader, contact mais... 40 proche 100 mètres. 110. C'est reçu, Alpha, ils sont pour toi. Bon, ils sont pour vous deux, vous tirez dès que possible. Okay, je pars en sort, hein. Attention, contact 40 à priori. Et bravo, j'engage. What? 40? Ouais, attention au flanc gauche, regardez le flanc gauche. Ouais, j'y suis. Jetez un oeil au flanc gauche, on sait jamais. Ouais, je sais pas si l'info était bonne ou pas, mais. Rien côté gauche. Hein. Ok, j'ai des impacts de balles en azimut 70. Ok, avancez un petit peu d'arbre en arbre. Attention à la vision tunnel, hein. Je vous rappelle qu'on a une autre patrouille qui est très proche, toujours gardez un œil sur elle. On avance azimut 60-70 environ d'armoire. Surveillez vos flancs et votre arrière. Et bien pris. Oui. Oui. Il y va. J'ai tir proche là. C'est à gauche là. Explosion de grenade. Ouais, j'ai vu. Au centre. Et c'est tout ce que j'ai vu. Et on sort d'un arbre. Parti. Allez. Ok, allez. Bravo pour les deux, on est prêt à partir sur notre sud. Ok, repli, repli sur position Alpha. Là,
empêcher de bouger en fonction de... Putain! Stop la progression frisée les gars. Les fumées blanches à ça. Ok, je suis avec toi Foggy. Ok, Alpha, tu reprends la progression, tu nous emmènes sur point repli. Alpha. Ok les gars, on reprend la progression, je vous donne un azimut. Bravo, dès que possible, tu enquilles. Prends la progression Alpha, azimut 70, pareil, d'arbre en arbre, on avance. Okay. On reprend la tête de progression, donc on surveille l'avant, on laisse les flancs à Bravo. Ah, de Wall Street, j'ai su des tirs là. Boris en avant. Ok, parti. Bravo pour Alpha, mes effectifs à annoncer des contacts sur notre 200 par sud-ouest. Ok. Avance aussi. On va laisser pour l'instant les 220. Confirmé 220. Bravo pour Alpha, affirmatif, contact 220, mais pas de visuel pour nous. Position du leader avec Bravo. C'est bon pour toi? C'est bon, je monte d'un ordre de okay. Je sais pas où vous êtes, mais essayez de revenir sur. Je fais de la suppression, mais je les vois pas. Répétez, revenir où? Sur le point de repli. De Alpha, on est en train de monter sur le point repli là. Ok, bien pris. Et mec frisé, je crois que je me suis planté d'azimut les gars, c'est plutôt vers le sud-est qu'il faudrait repartir vers le 140 les gars. Oui. Ouais. Ah c'est bon, c'est vers le 140. On sait qu'il y a une grenade. Il y a une grenade qui a pété vers là-bas. Ok, on repart sur le 140 les gars, 140, on essaie de partir. Et pareil, de couvert en couvert. Ok, je prends l'arbre à ta droite. Ok, de Alpha leader. On était reparti un peu trop vers l'objectif, on est à la première ligne de phase, on reboucle sur repli. Ok, c'est reçu. Bravo, essaye de tu te déploies de sorte à sécuriser repli et à fournir un feu d'appui pour le retour d'Alpha. Contact 60. Ok, reçu. Ouais, c'est reçu, on va avoir de l'appui de la part de Bravo, oubliez pas que l'objectif c'est d'aller en 140. Froggy touché. Balance une fumée, Froggy. Redescendez un peu, hein, s'il faut, redescendez un peu. Hein. Ok, Alpha sur fumée verte. Touché, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Allez, on accélère un petit peu, les gars. On accélère, on accélère. Je suis pas de visu sur fumée verte. Alpha, soyez avisés que Bravo est en train de sécuriser le site repli. Ah, donc repli sur repli. C'est reçu, on arrive. Putain, quel con quoi. C'est bon, Boris? C'est bon. Allez, on saute. À droite là. Pierre, on saute. Ok, ce qu'on va faire, c'est pour que ce soit propre les gars, c'est qu'on va avancer en 140, on va avancer en perroquet, donc les deux binômes, rouge à l'isou. On est préparti sur des contacts à l'est de repli, proche. De rouge, on a bien avancé déjà.
On est devant vous là, on est encore en avance sur vous là, continuez 140 les gars. Ouais, ils sont juste en dessous de nous. Ah ok. Là, je vois Bravo là sur le 120. Ah, j'entends Bravo de ma part, de mon côté. Ok. On a failli se mettre dans la merde à cause de moi. Putain, quoi, pas leur dit perroquet, ils partent les mecs. Bon, viens Froggy. J'ai avancé. Ok, je suis en sortie. Oh. Il est légèrement en contrebas. Il arrive. Eh putain, les mecs, et quand on vous dit perroquet, vous barrez pas comme ça, hein. Ok, on se pose ici, Froggy. Cas où j'allais-y. Oui, c'est parti. Ouais, vas-y. Ok, 2 Alpha, on arrive sur la position très bientôt. Pour l'arbre suivant. Ok, on va avoir 2 Alpha. Ça a l'air sympa comme position. Là, depuis l'est. Les mecs, on va avancer un petit peu. Là, on avance tous ensemble sur le 70, là. Tout doucement, d'arbre en arbre. Ils ont des contacts, ils ont des contacts sur l'est. Ok Alpha. À coup, on a ouais. Donc des hommes en direction du 4 du 70 pardon. On va essayer de les flanquer. On a Bravo qui est sur la colline au sommet donc. Ils sont prêts à partir, essayer de flanquer les mecs au sommet. On va vous faire gaffe parce qu'on va être entre le château et repli. Ouais ouais. Dans on ce cas tu. 4, ouais. Fais gaffe à toi. On saute à coup. Non, on va rester ici pour l'instant, 2 secondes. Okay. De flanquer. Bravo à l'est, juste à faire notre droite. Hein. Ouais, y'a du contact, mais c'est là-bas de l'autre côté. Il faudrait qu'on traverse tout, on va maintenir ici. Il y a des échos de tir au 40. Ouais, surveillez les secteurs. Ouais, ouais, azimut 30, azimut. Ok, 2 Alpha, je confirme. Si tu veux qu'on contourne, faut qu'on passe à découvert et on sera à découvert du sud. Donc on va rester ici pour l'instant et essayer d'interdire. C'est reçu, du coup tu te mets flanc droit par rapport à Bravo. Ok, venez les gars, on va aller partir sur le flanc droit de Bravo. Ok. Ok. Froggy, t'es toujours là? Oh, ouais. Ok, venez. Tu vérifieras qu'on a aucun ennemi sur flanc droit à coup en même temps. Ça marche. Oula. Oh de Dieu. Allez les gars, on contourne, Bravo, partez vers l'est là. Oula. Partez vers l'est là, vers le 110. Ok, c'est parti. Yo. Ici, ici. Ah bah même quand on est large, quand on est large alors, il y a encore des bravos. Alpha, faites gaffe, on est bloqué par à droite, plus à droite. Ok, bah on freeze. Sécurise à droite. Okay. Bravo. Allez, à droite. Pour moi là. Okay. Gauche. Oui, c'est bon. Ouais, je suis avec toi, je suis à droite. Ok, on va essayer de pousser doucement en 120 d'arbre en arbre. 120, ok. Parti. Ok, pense à prendre la radio dès que tu peux. Il est où le quad à cadavre? Un peu devant là, je pense. Ok. Ah, je les vois plus là, ils sont où? Vas-y, garde l'est pour l'instant, Vélaïd. Il y a des contacts sûrement là-bas, donc il faut faire attention. Okay. On avance, on pousse un petit peu, doucement mais sûrement. Je pense. Attention à ton flanc gauche, Veldred. Il y a Bravo à quoi, à gauche là. Ouais, enfin je veux dire à ton avant-gauche quoi. Ouais. Allez, on pousse doucement 70 là. Alpha, si c'est libre pour toi, essaie de contourner la colline afin de prendre les forces qui attaquent Bravo de flanc. Explosion. Et continue. On va essayer de faire au mieux là, pour l'instant on contourne par la droite. Reçu. J'avance. Ouais, ouais, vas-y, avance un petit peu. Une visée sur le contrebas encore. Oula, oh, putain, ils sont pas loin. Drame, là. Ils sont pas loin, ils sont en plein nord. Vas-y, Froggy. Vas-y, Vedred. J'avance. On essaie d'avoir la contact. Trop. Ok, planque-toi, Veldred. Fumier. Fumier. Ils sont dans les airs. Et ils nous grenadent la gueule. Voilà, leader, je check ce qui se passe où est station. Ouais, c'est beaucoup plus proche que ça, hein, genre 20 mètres, même pas. T'es blessé bravement, Veldred?
T'as besoin de moi ou pas? Non, juste à la tête. Ouais. À toi de le voir, Veldraid. Si t'as le temps de te soigner. Ouais, vas-y, soigne-toi. Pas vital. Lourdement à la tête. Dans la droite. Ok, nickel. Faites gaffe, c'est par là qu'est venu les tirs. Hein. Ouais. Donc, il était prêt lui, hein? Ouais, juste un peu. Il avait un copain juste derrière. Tu dis quand t'es bon, Veldraid? Ouais, encore un bandage et c'est bon. Ah, tu veux, t'as une grosse tête? Ouais. Chef! Ouais? Mauvais présage. Quoi? Je sais pas si je dois vous dire ça, mais j'ai l'interface de commandement qui vient d'apparaître après la dernière explosion. Non. Non. Tu pouvais le garder pour toi, ça, Froggy? C'est bon, je suis paré. Je vais faire comme si de rien n'était pendant quelques secondes, quelques minutes. On continue à pousser sur le 20, là, on descend. Okay. Sur le 20? Ouais. Ok, parti. Ça va, Boris? Il est déjà sur l'avant-droit, là. Ouais. Avance, Weldraid, avance. Les Alpha, leader. Weldraid? Ouais. Avance, viens. Ah, il a avancé, hein! Alpha de Bravo. Ah, il a avancé, Veldraid, hein! Il est avec Boris. Attends. Ah, il est là, okay. Mais pourquoi j'ai entendu sa voix derrière alors? Pour moi, il était caché. Alpha, bravo! J'écoute Alpha. À coup. Vous avez des nouvelles du leader? La vieille mort. Plus la vieille. Mon leader d'escouade mort, on est plus que 3. Merde, ok, vous êtes où là? Côté ouest de repli. Ok, vous avez encore de la... Des mecs en face de vous ou pas? Du répars, on a été... J'ai continué à pousser et fumez-moi le mec qui nous tire dessus là. Qui a battu la vieille, donc ouais, on a pas mal de mecs, on prend des grenades maintenant là. Ok, reçu, nous on est sur l'est du repli, on pousse un peu vers le nord, donc sur le flanc droit, on peut pas vous aider actuellement, essayez au moins de maintenir, on va voir ce qu'on peut faire après. Ouais, je peux pas tenir le sommet de colline, je prends des grenades à fusil, je vais passer sur le côté est avec toi. Ok. Jambes baissées, jambes droites, je me pense. Ok. Quand vous serez sur nous, vous prendrez notre flanc gauche. Bien pris. Que dalle moi. Oh, il y a un sniper là. Ah oh. Putain, je recharge, il y en a deux, azimut 10. Va sur la gauche de l'arbre, Veldraid. C'est bon, traité. Reste dessus. Ça va, Froggy? Boris? Moi ça va, je suis pensé. Azimut 20, véhicule non identifié, peut-être technical. Ah non, hein. Ils sont là. Pas maintenant. Il est à l'arrêt ou en mouvement? À l'arrêt. Je me décale pour identifier. Vous avez de la T, bravo? Ouais. Oh, on a un technical non identifié, Azimut 20 à l'arrêt. Non, c'est bon, il est pas armé. J'ai un visuel sur... Non armé. C'est bon, tu veux dresser la T là-dessus? J'en sais rien, j'ai pas de visu dessus pour l'instant, je peux te retransmettre. Il est passé derrière les armes. Ouais, c'est bon. Tout bien. Et si tu le revois, tu peux l'engager. Ok, nickel. Ah ouais, je viens de voir un mec dans le château là-bas. Putain. Froggy, viens me mettre un pansement sur la jambe droite, s'il te plaît. Tu peux à Dux avant. Si. Ton avant gauche. Avant gauche. Voilà, celui-là. Ouais, c'est pas grave. Jambe droite. Boris Veldraid, continue à pousser azimut 20 d'arbre en arbre. Bravo. Ok, c'est parti. Boris, on avance. Bravo, continuez à pousser azimut 20 en suivant Boris et Veldraid. Vous prenez toujours le secteur avant en gauche. Okay. En azimut 20, il y a une baraque. Okay, j'ai abattu un contact là-bas, à côté du technical. C'est bon pour toi. Ok, merci. On avance avec eux. Un bout d'alpha sur notre droite. Ah ouais, on voit que dalle. Que dalle, ouais. Allez, on avance encore. Une maison sur la droite là. Ça, ouais, vas-y. Ouais, j'ai déjà scruté à la jumelle et j'ai abattu un mec devant, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, on peut continuer, Veldraid. Allez,
C'est parti. Ok, on va bifurquer vers le nord là. Ok. Ouh, il y a l'action devant là-bas ou quoi? Ouais, c'est bravo. Ok. C'est à nous. On avance, parti. Attention, bravo, vous êtes seul parti en avant. Je suis légèrement sur ton surplomb, c'est pour ça. Bon, on avance. Vas-y, ouais, ouais. Sur la baraque, il y a un ennemi. Tu viens voir la baraque, hein? J'ai contact sur les baraques en contre. Garde un visu sur le plateau. Ouais, tu gardes un visu sur le plateau, je vais faire. Recharge. C'est bon, vous l'avez eu. Ouais, abattu. Ok, on continue. Continue. Toujours en bas, toujours en... Non. Ouais, ouais, on continue, on monte la colline, Froggy, Boris, vous gardez la maison et le fond droit en visuel. Il y a un camion là-bas. C'est quoi là-bas, Froggy? C'est l'objectif. Ah, ok. Eh, il y a du mec au niveau du camion. Froggy, Boris, azimut 50, mettez-vous tous les deux dessus. Je veux bien, mais je le vois pas. Veldrit, Veldrit, 50-50. Je suis essoufflé, je peux pas le tuer. Je suis, je vois rien. Je vais faire respiration s'il faut. Je vois rien, 50. Ah non, pas encore. Là, il donne, c'est bon. C'est bon? Ouais, il était derrière le camion. Il y en a qu'un seul de camion, non? Ouais. Ce n'est qu'un seul invisu. Ah non, les camions, non. Il faut en détruire plusieurs. Donc il doit y en avoir il y en a un 3. Château, malheureusement. D'après le briefing. Ok. Il y a un véhicule à droite de la baraque rouge aussi. Ouais. Ok, bravo, je vais vous faire investir le château, fouiller le château, je vais vous mettre le médic avec vous, est-ce que c'est reçu? Reçu. Ils vont tout seul. Froggy? Ouais, j'ai entendu. Tu rejoins, bravo. Boris, Veldrid avec moi, on va avancer sur le camion, c'est moi qui ai les charges, c'est moi qui vais les mettre dessus. Ok. Okay. Allez, vous ouvrez les gars. Ici, oh, ici, Froggy. Veldrid. Ok, on repart sur le château, Mister. Ok, je te suis. Sur vous. Je suis. Froggy, tu veux. Attends parce que j'ai pas vu là, ils sont où les camions? Au baraque juste en face de toi. Ouais. Ah, ok, avance sur la baraque, avancez sur la baraque. Parti. Le camion, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui dois savoir où est-ce qu'il est. Allez, on fonce jusqu'aux arbres. Ouais, gaffe quand même. Faites le tour, vous clairez ça et moi je vais m'occuper du camion. Ok, on va contourner par la droite. Non, par la gauche, ça m'ouvrira le camion et ça me permettra de me mettre plus rapidement. Ok. C'est bon, je suis au pied de la baraque là, petit peu. Aïe, ah. Bon, sur moi. Aïe, sur la maison, sur la maison, sur la maison. Je suis touché. Ah la vache. Attention à l'intérieur. Hein. Ouais. Ah, il y a du contact sur la gauche. Oh, que dalle, c'est en contrebas, on voit rien. C'est bon, tout le monde est soigné? Je check. Quand vous me laissez jambe gauche, bah si devant. Me bande. Pour deux bandes, c'est ça? Veldrid, mets-lui un bandage aussi. Ok. T'en mets un jambe gauche là, si tu peux mettre un aussi. Ok. Parti. Après, tous les deux, vous nettoyez le campement, donc en roulant par la gauche à l'extérieur de l'enceinte, d'accord? L'extérieur, pas l'intérieur? Ok. À l'extérieur, ouais. Ok. C'est bon. Presque fini. C'est bon. Ok, c'est parti. Vous êtes tous les deux seuls, donc faites gaffe. Que je protège le camion. Veldrid, Veldrid, suis Boris, Veldrid. Il est derrière le camion. Grenade. J'ai tiré dessus. Ouais, il est au 80. Si on se couche, on le voit pas. Peut-être, ouais. Il est à gauche de la petite maison en bois. Non, je vois pas. Merde. Putain, la vache. Bien joué. Je crois qu'il n'y en a pas un autre. Alors... On check parce que... Oui, ouais. À gauche, jambe gauche, légèrement. Il est gravement blessé tête, putain. Oh, la vache. Je me fais la tête. Et jambe gauche aussi, c'est ça? Ouais. Jambe gauche. Ah, il m'a raflé à bout pourtant, quand même. Pareil. Je vais mettre un timer de 5 minutes, les gars. Okay.
Et on va foncer sur la baraque gauche là, la baraque en bois devant. Et les mecs, vous savez quoi, on va même pas sécuriser, on va se replier d'où on vient et on va garder le secteur en visuel. Ok, d'accord, ça marche. On est quasiment à côté du château là. Ouais. Plus de pansement. Bogie est pas là. Ça va être chaud. Ouais. Attends, je regarde si je peux t'enfiler un. Oh putain, il me reste qu'un moi. Non, mais allez bon, les gars, on se replie tous les deux. Vous faites ça en perroquet avec une couverture arrière. Ok. Okay. Vas-y, saute. Oh. Ouais. Allez, go. Allez, c'est parti. Alpha pour Bravo. Bravo, j'écoute. C'est comment chez vous? On a eu un peu de contact, ça va, ça se calme. Ça tire sur Weldrid, à gauche de la maison rouge. Ok, est-ce que vous pourriez nous fournir une couverture sur l'est le temps qu'on remonte vers Zub? Côtière à l'est, ça vient. Je l'ai eu. Allez, on est parti, on dégage. Dégage. Allez-y, je vous couvre. Ah ici, bravo, on va faire notre mieux. Annulé, dernier ordre, c'est bon, on a réussi à se déloger de là. Je suis blessé à un coup. Ok, on va remonter vite. Froggy, tu me reçois sur ce canal? Par contre, bravo, on arrive sur votre secteur depuis l'est, préparez le médic, on a des blessés. Allez, go. Bien pris, le médic vous attend. Oh, attention, allez, c'est derrière pas. Encore. Ouais. Oui, ça va être compliqué là. Ah non, ça colle au rocher. Oh, ouf. Oh putain. C'est qui le boss? Où c'est? Pointe. Mettez-vous à couvert, hein, les gars. Tête, bras gauche, jambe gauche. Ouais. Soignez ce qui était grave. Ok, quand vous avez terminé, vous reprenez la couverture du camion qu'on vient de plastiquer là. Là-bas, parce que là-bas, il y a un creux où ils se mettent des fois. Ok. Vous avez vu quelque chose ici? Camion, deux camions. Là, on nettoie, il y a deux camions dedans. Puis, Il y en a un camion du bas, il va péter dans 2 minutes. Ok. Pas de panique. Et Dodox, t'es là? Ouais. Prends la suite de Mystery. Mystery, tu descends à l'angle, tu vois, en contrebas. C'était léger ou lourd? Et t'ouvres sur ta gauche après. Ah, ok. Tu peux soigner le ouais. Ok, merci, c'est bon. Weldrid. Vas-y, tu suis Mystery, t'es derrière lui tout le temps. T'es debout derrière lui. Et l'angle est ok? Ce que je vois, ouais. Ok, allez, tu pousses et check l'arche à gauche. Je couvre votre droite là. Faites attention aux intérieurs hein. Bah, je vous apprends rien. Ok, c'est bon, c'est clear. C'est bon, Fruit. Ouais. Oh putain. Ils vont prendre 3 contacts au centre, droite de la maison. Abattu. En pleine taille. Ce serait pas mal que le camion explose parce qu'il y en a un juste derrière. Ah bah ça devrait pas tarder là. Je dirais 1 ou 2 minutes, essayez de le fixer dessus. Je l'ai fixé avec une balle dans le cœur. Juste pour le petit plaisir sadique de le voir exploser. Ouais, trop tard, il est mort. Je dépends de qui moi maintenant? Bah reste là pour l'instant. Je repasse sur le bon channel. L'important c'est pas qu'il y ait pas un mec qui vienne enlever les explosifs là. Genre. Ça si. Bah oui, attends, un ennemi. Un ennemi, c'est intelligent un ennemi. Ah. Oh ouais. Il y a encore un qui là. Il en reste un qui veut notre peau là. Alors, celui de la pluie. Il est où cet enfoiré? Ah, je le vois. Ouais. Position.
À gauche du camion, un peu plus près. Putain, il est derrière l'arbre là. Il y a des alliés pas loin là. Y'a personne à gauche là. Oh putain, c'est sur moi. Bravo, confirmez qu'on est tout seul dans le château. Salut, confirmez, nous on est à l'extérieur. Il est en 55 à peu près. En 55? Ouais. Je sais pas si l'explosion l'a tué ou pas. Allez donc. 55? T'as fumé? Bon, attends. Ok, c'est sur mon arbre, ouais, que ça claque. En 85, pardon. On va faire ça. Tu vois, t'as le camion en feu. Ah oui, ok. Il y a deux arbres. Je suis mes traçantes si j'en ai. Ah, c'est pas des traçantes. C'est bon. C'est bon. Quoi, il y en a encore? Ouais. Il a peur, je sais pas s'il est mort. Ok, on va faire gaffe à l'effet tunnel. Hop. Ah ouais. Là, je pense qu'il est mort. Putain, là, tout près. Merde, je recharge. Juste sur le nord, là, sur mon nord. J'ai failli y passer. Vous l'avez eu ou pas? Non, on voit pas. Oh putain, j'ai pris cher. Je me recule. Vas-y. Oh bordel. On est pris des deux côtés, il y en a toujours qui nous tirent de dos à droite. Hein. On se regroupe sur le rocher là, sur le rocher. Dis-moi de quoi t'as besoin. Attends, pour l'instant, je rampe comme une grosse merde. Alors, j'ai besoin de couverture. Bras gauche grave, bras droit léger. Veldry, t'es dans le coin? Ouais, je suis derrière toi. Ok, faites attention au nord donc. Hein. Ouais, je balance une grenade au cas où. Alpha de droit, j'entends quelque chose hein, sur ouais. Le sud, les gars. Tout l'extérieur a été plus ou moins sécurisé, mais on a encore des contacts qui nous ont attaqué depuis le nord-ouest. On est dans le donjon, et on peut sécuriser le pourtour. On a toujours qui arrive à l'est. Ouais, on essaye, mais il y a beaucoup de contacts qui viennent depuis l'est et du contact qui longe l'enceinte sur le flanc est. Donc on est un peu dans la merde, on essaie de tenir, mais je pense qu'on va se dépêcher de vérifier les choses. Normalement, c'est bon. Ok, c'est bien reçu. Donc pour information, contact par le nord-ouest. Jambe droite léger, je pense que ça devrait aller. Je vais me le. Jambe droite. Ouais. Bon les gars, vous allez rester à l'extérieur, vous allez essayer tous les trois de maintenir tout ce qui est est et nord. Waouh waouh waouh. Un coup de grenade s'il faut. Je crois qu'on a contact sur le sud. Hein. C'est possible. Ah c'est bon, je le vois. Je vais me grouiller de... Je l'ai vu. Je vais me grouiller de rentrer dans l'enceinte et de... Maintiens le nord, Veldred, maintiens le nord, c'est important, il y a un contact à proximité au nord. Il y en a un plein est là, en bas, juste en bas. Oh putain. Je te l'ai dit, Veldrin, hein. Je vois rien, quoi. Ah, bordel. Bon, venez, les gars, on se replie, on rentre dans le château. Au moins 3 contacts sur l'est. Venez, les gars, on rentre dans le château. Alpha, on voit, attention, on rentre dans le château sur l'est. Ou de la ligne. Ok, tenez les secteurs, là, histoire qu'on ait pas de surprise. Veldrin, c'est nickel, tu restes par là, sur le nord. Ouais, mais j'ai un buisson devant, là. Ouais, mais reste quand même là, si, au cas où ils rentrent, les mecs. Je me sens mieux là quand même. C'est quoi ce putain de truc de bourrin là? C'est la salle des tortures. On rentre en même temps, je crois, ils ont lancé la soule. Ouh. Oh. Ok, restez à l'intérieur pour l'instant. Bravo, ça se passe comment pour vous là? Ça tire au sud. Ok, bravo, c'est bon, on a sécurisé tout le donjon. Et on est tout en haut de l'eau du donjon, sur le toit. 120 qui se décale plus sur le sud-est. Ok, nickel, vous avez quel visu pour couverture? Proche. Bon visuel, mais pour l'instant on doit faire du soin. Bon, bravo, il y a un risque si le camion pète que le donjon s'effondre. Oui. Il est mort. Dans ce cas-là, je vais vous demander de descendre et d'essayer de trouver des positions dans les ouvertures de murailles. Pour info, les derniers contacts sont au nord et à l'est, donc essayez de boucher les trous.
Bien pris, pour l'instant on doit finir les soins. Deux hommes lourdement blessés. Je sens le pansement, trop bien. Ok, ça marche, besoin du médic ou pas? Négatif, c'est bon. Ouais, je te laisse, je te laisse. Ok, ça marche, vous me bipez quand vous êtes quand vous descendez. Les gars, je vous ai fait rentrer à l'intérieur, mais essayez de vous répartir un peu. Là, je vais m'occuper de la destruction du camion et essayer de vous répartir dans votre zone pour couvrir les entrées et tout ça. Pour info, on a Bravo qui sont au sommet du donjon, mais je les fais redescendre au cas où l'explosion ferait s'effondrer le donjon. Je les sors plus là. Hein. Les hommes arrivent. Ils sont gonflés en plus. Allez, venez. Ok, c'est bon pour moi, et Dot Doc c'est là. On est là, Bravo. Ok, ça marche. Je me positionne nord-ouest, ça te va? Ouais, à la rigueur, non, même essayer de voir, prendre un visu sur l'ouest pour commencer à ouvrir le chemin de repli. Ok. S'il faut monter sur la petite entrée du donjon, enfin le petit donjon là, bizarre au sud, tu peux. Hein. Merde. Je crois que ça allait de là-bas. Ouais, ça va. J'ai balancé une grue. Venez par là, venez par là. On va le contourner. Comme ils sont tombés, ils sont de rebelles là. Sud-est, il y a un Gugus. Non, pas encore. Je souffle quand même fort. Là, en 70, proche aussi. Merde, faut contourner le rocher. Je crois qu'il est tombé. C'était au 70. Ok, charge placée sur le camion au centre du donjon, réglé sur 5 minutes. Ok, on maintient les gars, au moins le temps que le camion pète. Pose ce foutu sac parce qu'il est vraiment trop lourd quoi. Il charge, chef. Ouais, je sais, même au nord. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu le film là avec les Britanniques contre les Zoulous? Bah, c'est exactement ça. Vous êtes comment en munitions? Munitions large, par contre en pansement ça commence à être très short quoi. Ouais. J'ai plus qu'un seul pansement pour tout le monde. De Weldred j'ai deux chargeurs de 200 encore. J'en ai trois pour toi hein, Weldred. Ok. N'hésite pas à rafaler. Hein. Oh une mouette, mauvais présage. Oula. Je pense que ça venait de la droite là, Froggy, fais gaffe. Ouais. Putain. Ouais, côté sud, je crois qu'il y en a encore. Il est très près. Sud-est. Je grenade. Avec plaisir. J'en ai vu un passer aussi, azimut 140. Chili, shérif, pour prendre le vent. Ouais. On perd le spot leader, on est plus que sur Bravo. On a neutralisé le contact qui était sur le nord. Ok, reçu, fortifiez-vous, essayez de commencer à sécuriser les entrées ouest du château pour qu'on bouge. Point info, camion va sûrement exploser d'ici 3 minutes. Ok, on est positionné sur l'ouest. Foutus arbres. Et n'hésitez pas à piller les cadavres à proximité parce que là on commence tous à être très short en pansement et tout. Oh, on a déjà commencé, chef. J'espère juste que le donjon va pas s'effondrer sur notre gueule. Mais non. Oh. Contact sud-est loin de nouveau, en progression vers nous. Il est mort, je crois que j'en ai un entre très près mais j'arrive pas à voir où il est. Ok les gars, quand on se repliera, on se repliera vers les entrées ouest du château, d'accord? On balancera des fumilles dans ce secteur là pour couvrir notre retraite. Vous avez encore des fumilles? Ouais, plein. Ça c'est au moins une bonne nouvelle. Ouais, j'en ai trois. Robert. Donc ce sera mur de fumée, on attend que ça se déploie et on bougera vers l'ouest. Ok. Je peux vous faire le drapeau italien avec mes fumées. Trois fois, si vous voulez. C'est même au 170 à 15-20 mètres du château à peine. Ouais. Il est couché dans les buissons cet enfoiré. Je veux juste les fumées de ses départs de coups. Je vais me mettre ici pour tenir l'entrée là. Il y a une nuage de sang dans les herbes, je pense qu'il y en a pris une.
Bon, il était à 10 mètres, même pas quoi. Oh putain, il est encore au nord-est. Très proche, nord-est. Ah ouais, mais quand. Ah ouais, là en fait, le mec il était juste là quoi. Genre. Le caillou sur lequel je m'appuyais, c'était presque lui. Alors, ça pète cette merde là. Ah, c'est sûr que maintenant qu'il est mort, il fait moins de bruit. Oh putain. Quand il a fait pour, en étant aussi proche pour me louper autant de fois, parce qu'il est vraiment mauvais lui. Parce que le mec, franchement. En même temps, tu l'as pas eu non plus, hein. Non, mais moi je le voyais même pas. Ah putain, blessé. Essayez de pas crever, les mecs, essayez de pas crever, s'il vous plaît. Aux ordres. Un de moins encore. Boum. Il y a un mec au 40 là, très proche, j'arrive pas à l'avoir. Faites pas de folie, essayez juste de les contenir. Ouais, on les laisse venir. Putain, mais qu'elles sont longues ces minutes! Encore un de moins. Bam! J'aurais dû mettre 10 secondes en fait. Le médecin qui tue. Laissez-moi vous soigner! Je recharge jamais cet enfoiré là. Non. Bon, elles sont longues ces minutes hein. T'es sûr que t'as pas mis en heure? Bah j'y peux rien moi. En tout cas sur l'ouest, nord-ouest, on a un très mauvais visuel. C'est un chouette bug, ça décharge avec des chronos totalement aléatoires. Ouais, je m'en doutais un peu. Mais au moins sécuriser les abords de l'entrée, enfin du... L'entrée pour qu'on puisse vite se barrer de là. De nouveau un contact au sud-est, loin. Ah bah quand même. Ouais, quand même. Il y a encore un camion. Il y a trois camions, hein, dans le bouchon. Je confirme que le camion est détruit, mais on était un peu près. Ah merde. Vous allez bien? De Wall Street, je vais mourir. Ouais, c'est là. Ouais, ça va. Ogui, t'as entendu? Il t'aurait basculé sur le canal 3. Ouais. J'ai pris à. Merci. Canal 3 de Dox. Ouais. T'as plus de bandage. Un seul. J'en ai deux. Je l'ai pas, j'en ai ramassé sur un cadavre. Armé. Allez. Oh putain. C'était lourd, on lui. T'arrives pas à ouvrir la radio? La radio. Oh, lui, dans le sac. Allez, celui-là, on va le mettre à une minute. Avec ma souris, ça va pas tourner en fait. Merci Boris. Gox, il pourra, ça fait rien? Ouais, non. Faut pas. C'est quoi des têtes? C'est pas grave, si c'était la jambe encore. C'est grave. Pour, Y'a un mec au 40. Non, c'est un mec au 40. Qui est seconde explosion dans une minute. Non. Et le volume ça marche? Non. Allez, monte. Oh putain. Restez canal 1. On a toujours un au sud-est. Hein. Mm-hmm. Plaque dessus, qui me plaque dessus. À go. Ouais! Y'en a un au 40 aussi, proche, j'arrive pas à le shooter. Ok, c'est pas grave, empêche-le juste d'approcher. J'ai l'impression d'être un dindon qui nous. Qui s'est tiré dessus. Ouais. Vous avez des bandages avec vous? Ouais, deux. Y'a quelqu'un besoin de bandage dans le reste des survivants là? Moi pas. J'en ai plus. De notre côté, c'est bon. Ok, c'est bon. Dieu. Bah alors? Mystery, vous avez vu un autre camion militaire? Négatif sur tout ce qui est au nord là et à l'ouest, c'est beaucoup trop pentu rien que pour penser à en mettre un. Bah il y avait. Il y avait le technical là. Ouais. Ouais, le technical. On va vérifier s'il est pas un peu plus à l'est. Ah, à l'est on a traité un camion sur le campement de donc là-bas y'a rien. Je pense qu'il serait cool d'aller visiter l'est quand même. Ouh, ça sent la prémonition ça. Depuis 30 secondes qu'on va pas tirer dessus, ça a l'air de se calmer.
Ah bon, moi ça en fait 5, donc bof. Ah oui, effectivement. Ah bah 0. Ok, Mystery, regroupe avec nous sur l'est. Ah, il y a aussi des caisses dans le camp, on les détruit ou pas? Parce qu'ils sont pleins de matériel. Si, ouais, si, mais comme j'ai plus qu'une charge, si on trouve un camion. Ah, y'a quoi? Y'a peut-être des charges dans, là-dedans? Bah, y'a qu'à demander. Hein. Oh putain, oui, ok. Y'en a une là, y'en a une derrière le camion et une à côté des tentes là-bas. Bon, Mystery, va prendre l'est pour relayer les mecs, je vais leur dire de venir reprendre du matos ici. Ok. Au pire, ça serait pas monter à la tour pour voir s'il y a pas un autre camion dans les villes. Rouge, Mystery va prendre l'est avec à votre place. Pendant ce temps-là, venez ici au milieu de la, au milieu du camp. Il y a des caisses avec plein de munitions, plein de rab. Vous reprenez des, ce qu'il faut. Il vaudra mieux qu'ils viennent d'abord ici et après on. Parce qu'il y en a qui sont proches. On vient de passer sur Weldrid là. Ah, vous êtes là alors? Weldrid est mort? Non, 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 il est... on l'a relevé. Ok. Ah, ils sont en nord-est là. Ils sont en nord-est. Qui est Ils sont en train de sortir, mais ils sont. Ok, bon. À votre place, je resterai à l'intérieur des remparts, hein, les Gugus. Bon, bah, on va chercher ce niveau là. Et où l'entrée dans ce bordel? Oh, des munitions, des grenades! Allez, refaites le plein, couillez-vous! Le plus beau jour de ma vie! Y'a pas des bandages aussi quelque part? Je sais pas, fouille. Vraiment, non. Déjà, hein. Moi, je vais juste prendre des charges, allez hop, tac, j'en mets une. C'est quoi la différence entre RGN et RGO? En branle, c'est pas le moment. Mystery, t'es bon en munitions avec Dodo? Et RGN c'est plus petit. Ah ok. Ça se lance plus loin. On a une grenade. Pas de chargeur. Il me reste un chargeur plein et. On n'a pas de grenadier. Non. Ouais, ça va à peu près ouais. Dégager les grenades. Il y avait pas des bandages donc quelque part hein, parce que. Pas dans les caisses. Il y a pas de bande. Il y a pas de bande. Allez hop, je place un truc sur la caisse là. Je prends une charge. Okay. Et nous on prend quel secteur, t'as dit? Vous regroupez sur l'est avec Mystery, on va essayer de faire une sortie. Ok. On rejoint Mystery à l'est. Ah mais si, il y a des bandages ici. Oui, il ne va pas mourir, c'est bon. Ah, cool. Il y a beaucoup. Je prends tout ce qu'il faut, c'est bon. Vas-y, prends tout, Froggy, prends tout. Pas un que chacun s'amuse à se branler la nouille, à compter ses bandages dans ses poches. Bandages, ça marche ça comme bandage Ouais, quand tu en prends, ça te les convertit. Ça les transforme. D'accord. Allez hop, je mets une charge dessus, grouillez-vous. Les medikits ça les transforme en deux bandages et une morphine. Allez sur l'est, il faut aller appuyer Mystery là. On a tout ce qu'il faut. Allez bouge ton cul Veldrid, go. Il est où? Derrière l'arbre, là, l'arbre le plus proche de nous. Là. Je crois que je l'ai eu. Tu lui sors lui? Allez hop, tac. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un dans l'est, j'arrive pas à l'abattre en 40. Ah ouais, non mais là, le mec il y a 10 mètres là. Sud-est, sud-est. Ah il a dû remonter. Il a dû remonter, il a battu, là. Ok les gars, on va sortir par l'est et on va longer l'enceinte vers le nord. Par l'est. On en est qu'à 20 mètres là, hein, au sud-est. Mystery, ouais. Tu fonctionnes avec Dodo en binôme? Ouais. Mystery, Dodo, vous formez un binôme, donc on a... Mystery, Dodo, vous avez toujours le binôme rouge et Froggy, tu resteras avec moi. On essaie de sortir là par l'est et on longe l'enceinte vers le nord. Dodo, on fait ça en perroquet, go. T'es où? Là, nord, nord. Ok, je te vois. Mystery, freeze. Ça sent super pas bien là. Ouais. Allez les gars, on longe, on longe. Vas-y. Dodo laisse de l'espace pour qu'il passe derrière là. C'est bon, je suis là. Okay. On va descendre là, on va descendre vers le vin. Derrière nous, hein. Descendre vers le vin, ouais. Dans la plaine, voir s'il n'y a pas un camion qui traîne là-bas. C'est peut-être le pick-up, hein, un camion pick-up, je sais pas. Ça m'étonnerait. Ouais. J'estime que j'ai fait mon boulot, on se casse de là, on a eu assez de pertes. C'est moche. De quoi? Qu'est-ce qui est moche? De faire style, on a fait son boulot. Ah, j'ai fait mon boulot, ouais.
Les gars, allez. Vous avancez, on avance dans la plaine, là, allez. Vers le nord, en perroquet toujours. Ok. Moi je reste avec Froggy. On est parti. Okay. Oui. Je suis avec toi. Ouais, c'est ici pour être tué. Le pick-up, bah, de toute façon on va reboucler, donc si on n'a pas trouvé le camion, j'en mettrai une dans le doute sur le pick-up et puis on le fera sauter. Hein? Elles étaient sur combien les charges dans le château d'ailleurs? Okay. Je les ai mises en manuel. Allez, viens, on descend. Les rouges en place. Mais c'est de rouge. Non, c'est eux. Mystérieux. Eux, c'est les vrais. Vous êtes que deux là? Ouais, ils sont plus que deux. Y'a rien là dans la plaine? En même temps, y'a plus un seul rebelle en vie, je crois. Bon, s'il n'y a pas de camion là dans la plaine au nord, on longe la lisière vers la droite, là on se remet en colonne, Rouge vous passez devant, Mystery tu suis, on repart sur les bâtiments, Boris tu nous amènes sur les bâtiments où on a traité le premier camion. Oh, camion reçu. Sur notre droite, ouais, tu suis la lisière sur notre droite. Ok. Les rebelles ils s'en souviendront encore plus que nous. Vers l'est alors. Vous avez bien niqué, ouais. C'est con. J'espère juste qu'ils n'ont pas fait la même chose avec notre camion. Ouais, je te suis. Ils ont fait pareil que de la zone gouvernementale. Ok, je vais faire péter. Oul, ah non, papillon. Je crois que t'es anéanti dans une énergie. On branle. Ah, la culture, l'histoire, tout ça. Non, c'est bon, il y a encore quelques pierres qui tiennent. Allez, viens, Froggy. Pire que les talibans. De toute façon, une ruine, c'est une ruine, hein. Bon, où c'en est? Ça va être des buissons. Oh putain. Il y en avait trois à côté de l'autre, on aurait dit des roues. Eric, c'est un buisson? Je vois pas de voiture, moi, en tout cas. Je vois rien. Okay. Je vois des buissons. Allez, on y va, les gars, on y va. Parti. Attends, il a cru voir un blindé, on s'inquiète nous. Mais non. Ah merde, y'a que Wildlight devant, il est où? Il rebelle avec un blindé, mais où va-t-on chercher ça? Il est où, Boris? À ce moment-là, à cet instant-là, blam 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 blam. Si eux ils ont un blindé, je suis prêt à crever sous ces balles. Oui, chef. Attention, on va arriver devant la baraque là. Attention, on a laissé des gars sur notre droite là, hein, qui étaient vivants tout à l'heure. Ok. Ah, ça c'est pas un camion, c'est juste en face là? Ouais, mais ils l'ont cramé tout à l'heure. Ouais, il est détruit. Au pire, on foutre une sur le pick-up et on se casse. Alors, on saute au prochain arbre. Ok. On jette pas un oeil plus à l'est? Ah, peut-être juste de l'autre côté du mur. Ouais. Il y a un petit creux, il y a peut-être un truc. C'est vite vu. Hein. Rouge, vous faites le tour de l'enceinte par la gauche. Mystery, tu te places sur la droite. On y va, Boris. Allez. Attention à vous. Hein. Un camion, ce truc. Fais attention aux alentours du château, Mystery, on a laissé des mecs. Rassurant. Faites gaffe au sud aussi, un coup. Ils sont morts, eux. Mais oui, ils sont morts. Oh. Voilà, attention. Il y en a un dans le tas qui est pas d'accord. Départ de coup sud-ouest. Sud. Ah bah non, bah, je sais pas d'où alors. Mets-toi sur le mur là-bas, Myst. Sud-est. Hein. Le mur d'enceinte. De dos, mets-toi sur le mur d'enceinte là-bas. Ouais. Allez, hop, explosif. Attends, il y en a un juste de l'autre côté du mur là. Juste de l'autre côté. Ah bah non, c'est Mystery. On a des contacts azimut 40-60 à peu près à partir du bâtiment. J'ai aperçu une structure qui ressemble à un camion plus à l'est. Ah putain, non. Non. Et j'avais joui des balles. Oh merde. Tu peux la désamorcer, non? Au pire, ils ont un RPG. Ouais. Le rouge, on a toujours un contact au nord-nord-est. À l'extérieur de l'enceinte. Ouais, je peux pas la récupérer. Non? Ah, j'arrive pas à la récupérer. Au pire, on aura tout fait péter. Ouais, non, vous avez encore une roquette pour le RPG? Ah, j'ai les mêmes 3. Ah, c'est bon, alors. Ça tombe bien parce qu'au moment où tu me l'as dit, j'ai placé ma charge. Alors, il est où ce camion? Bah là-bas au carrefour là, y'a un truc. Un truc.
Je vois un machin blanc métallique, hein. Ça ressemble à un camion. Ouais, il y a un truc là-bas, ouais. Il y a portée pour toi ? Ah, il y a un truc qui bouge. Écho. Il y a à portée pour toi, Mystery, le camion ou pas ? C'est pas ça va être compliqué là, mais il y a okay. Un truc qui bouge là. Prépare ton noté, Mystery, au cas où le truc qui bouge vient sur nous. Le camion se barre ! Oh l'enculé ! C'est un civil. C'est un civil, c'est un civil. Enfin, je crois. On va pas traiter non. Un civil. Ah, c'est le camion militaire. Ah mince, c'est vas-y, deux, Mystery ! Vas-y. Clear ! Ah, vas-y, Mystery, recharge! Attends, reste de bouge, je vais sortir. Oula! Allez! Elle est partie où? Hop, où? Hop, c'est quoi? Je sais pas, j'ai pas vu, là, moi je tire sur le camion pour crever les pneus. Allez, Mystery! Grenade! Ah! Mystery, bascule flanc gauche! Vas-y, ouais, je prends des balles, ça pique! Allez, tous dans l'enceinte! Il roule en bas! Je vois le camion, ouais! Bah, je l'ai raté! Mais niquez-lui, c'est roux! Je l'ai raté! Allez, trois fois, il vient de se faire net là! Ah, t'as plus de roquettes! Non, y'en a dans les pick-up sinon! Ah bah, ouais! Démerde-toi, Mystery, trouve-en une! Ok! Immobilisé! Ok, c'est déjà ça! Oh putain. Il y a un 347, 348, putain. Il y avait un mec avec un RPG là, juste à côté du pic. Ok, nickel, reste là Dodo et tu gardes le secteur sud là. Reçu. Ah putain, et dire que j'ai fait sauter toutes les caisses là-bas. On a encore des contacts au nord-est, hein, je crois. Mais sûrement. Ouais. C'est bon, j'ai des roquettes. On a grenadé mais on sait pas si on l'a eu quoi. On se fait tirer dessus depuis le château. Ouais. Ben là, tu te mets sur le château. Voyez où est le camion là. Allez, Mystery. Attention, Mystery, il y a l'ambigus par là. Oh putain, Mystery, reviens. Putain, tu pouvais pas le prévenir avant. Arrête de faire rire. Oh bordel. Je suis blessé au bras droit là, quelqu'un peut me bander. Oui. Médic, fuse. Oh. Ouais. Putain, ils sont où ces enculés? Et j'arrête pas de le répéter, mais dans le château, il y a des mecs qui y arrivent. Hein. Bras droit. On est creusé là, Mystery Tour. Hein. Hein? Sur le château, je vous dis, il y en a qui nous arrivent dessus. Hein. Mais c'est bon, je suis à l'abri du château là. Bras droit. Ouais. Eh ben enfin, putain. Ah moi bon, je sors tranquille pour le détruire votre camion et je vais te tirer dessus là, c'est quoi ce merdier? Léger ou lourd? Lourd. Forcément. Oh putain. Je crois que j'ai rarement pris autant de balles sur une partie quand même. Est-ce que vous voulez une petite morphine avec ça? Ouais, ça sera pas du luxe, ça m'aidera peut-être à toucher le camion. Je t'en mets trop alors. T'as envie, ça suffira. Oh bordel. Et voilà. Bah, bon. À coup, t'as une distance ou pas pour le camion? Attends. Une distance, mais c'est un luxe, ouais, une distance. 200 mètres, je dirais. J'ai le backblast clear là. Ouais, t'as une maison derrière, mais. Il y a Dodox derrière surtout là. Quoi? Attention, sors de là. Vas-y. Ouais, je le vois. Je dirais 200 mètres, mais. Ok. Tu penses quoi? Mais ouais, 200 mètres! C'est quoi cette roquette en mousse? Bon, j'en retire une autre. Oui. Attention, Dodox. Ah, mais carrément à gauche. Attends. Ouais. C'est bon. Ok, c'est de la merde. Ah non! Elle est passée au-dessus. Ok, re-roquette, c'est bon. C'est bon. Il me reste deux charges sinon, à coup. Hein. Mais putain. Ouais! T'aurais dû le dire plus tôt, Boris. Je l'avais tué au début. Ah oh, mais j'ai pas entendu, bordel. Ça quoi, se fait chier à lui tirer des roquettes? Je te crois carrément. Je croyais que vous vouliez pas y aller. Bah si. En fait, il s'est déplacé, mais... Bon, c'est bon. C'est fait. C'est pas grave. Ok, à tous, on va partir donc vers l'ouest, récupérer nos véhicules en passant par le sud du château, donc la gauche de la colline. On va faire ça en perroquet, donc les deux binômes en perroquet, on fait des petits bonds. Mystery, tu pars en premier, rouge, vous couvrez.
Lodox, ok, ouais. On est parti. Il y a des ennemis pile vers là où tu veux qu'on aille. Eh bah ben, c'est nickel, on va aller, on va leur mettre plein de fion. Azimut 220 à peu près, 230. Je rappelle petit bon, petit bon. Ah putain. Écoute, je vais péter cette foutue charge quand on finisse. C'est bon, traité. C'est bon, on peut repartir. Ouais. Allez, Dodox, on y va. Petit bon, vous vous synchronisez quand un groupe est en position, il le dit. Et j'arrive. Boris ? Ouais. Putain, j'ai perdu. Il est parti où, Mystery ? Il est parti là-bas, vers le sud. Vers le sud-ouest, là, 220. Sud-ouest. Sud-ouest. Ouais. 220, 220. J'aime bien l'idée de mettre des gyrophares sur un truc camouflé. Comme ça, c'est camouflé en même temps que tu le vois. Ok les gars, petit bond rapide. Et rouge, on est en place. On y va. Rouge, on est en place. Y va, Boris. Il oui. Tient son rouge, Mystery. Ouais. Il le défendra jusqu'à la mort. Le rouge. Par contre, Mystery... À le faire, on va lui faire un éthylotest après parce que. Ou un test de RPG. Ouais, je ferais pas mieux que lui donc non. J'admets la faute. Je ferais peut-être même pire que lui. Oh bordel, allez bien. Bouge en place. Petit bond rapide, faut que ça enquille plus vite que ça, les gars. Voilà, on est assez loin. Allez, Mystery, bougez-vous le fion! Ah, ben, je sais pas, moi, tu fais un perroquet pas avec nous? Non, 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 moi, je suis à l'écart. Je vais faire sauter ce bordel. Ouais. Tout pété. Ils vont plus rien avoir. Ouais, donc, excusez-moi, les gars, j'ai pas été très précis, mais comptez-moi pas dans le perroquet, hein. Vous faites ça entre vos deux binômes. Et rouge en plage. Ah, techniquement, t'avais dit deux binômes. Hein. Ouais. Passe. Vous pouvez pas passer entre nous, vous avez laissé de la place. Ok, prochain mort, on repiquera vers l'ouest. Oh, mais c'est pas vrai quoi. C'est reparti. Cherche par droit. Bouge en place. Il y a des barres de coups depuis le château. Je fais de la suppresse. Hein. Dodo, je crois que ton binôme est parti. Dodox ! Oh putain ! Faut se réveiller, bonhomme ! Les deux rouges sont prêts. Ok. Allez, viens, on va aller avec eux. Merde. Oh bordel, là, je suis en ligne dans ce château là. Oh, au final, pour nous, ça s'est bien passé. Hein. On aura buté un sacré paquet. J'ai buté plus de gens que j'en ai soigné. Ils sont où les copains là? Pour rouge en place. Attention, c'est sur notre arrière ça.
On va y aller parce que c'est pas du... Ok, à partir de là, on va prendre, ouais, on va continuer plein ouest, on continue le perroquet. Vous en êtes où les gars? Vous êtes paumés ou quoi? Ah, ici rouge, j'ai perdu rouge. On est à votre gauche. Ok, on fait le prochain saut. Et rouge en place. Ok, on avance. T'es où, Froggy? Non. Ok. Moi, je les ai complètement perdus, je leur fais confiance en fait. Je crois qu'ils sont beaucoup plus sur la gauche. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ouais, je vais recoller avec eux. Non, j'entends à droite. Ouais. J'entends Weldrid. Ah, je les vois là. Bon, on va dire que l'équipe de Mystery n'a jamais existé, hein, tant pis. On part sans eux. Ok. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est des usures. Pour rouge en place. On est devant vous. Ah mince, ils sont là. Ok, Mystery, vous serez rouge clair et Veldrid, vous serez rouge foncé. Fouteur de merde. Hein, mieux, mieux, Mystery, tu seras Rubicon et Veldrid, tu seras pourpre. Tu seras pourpre. Puis Rubicon, on est en place. Pourpre reçu. C'est tellement con. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en écarlate sans. Oh, je pense qu'on est bon là déjà. Hein. Ouais. Rubicon, c'est rouge, Rubicon? Ouais. Allez, on va reprendre la colonne. Rubicon, vous passez devant par nord-ouest. Rubicon, merci, nord-ouest. Passez à droite. Allez les gars, on va fermer la marche, allez-y. Allez, pour prendre, on y va. Je suis. Révise tes couleurs avec graisse de canard. J'espère qu'on va pas se trouver avec des merdes sur la route en revenant. Oh là là, blindé. Tant qu'on n'est pas sorti de la zone chaude, faudra se méfier quand même. Pied au plancher. Ouais. Ok, pour info, pour votre info, on est en 08-030 d'après le GPS. Et bien au nord encore. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on fout? C'est quoi ces conneries? C'est pas possible aussi? Ouais, c'est ou alors connerie. On a vraiment trop abu. Ouais, non, c'est une connerie. Elle est où cette foutue route? Si? Non, bah non, c'est pas possible. Mais il faut qu'on reprique vers le sud-ouest là, alors non? Si, si, on est en 08-030. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. On est là, regarde. Oui. Bon, allez, on va les rejoindre. J'ai même pas vu où est-ce qu'ils sont partis. Nord-ouest. Hein. J'ai un bug avec toi et seulement avec toi. Des fois, quand tu pars en courant, je te vois te coucher et avancer, coucher à la vitesse à laquelle tu cours et te relever soudainement. Camion invisible. Ok, nickel. Sécurisation autour des véhicules. On s'apprête à repartir. On fera attention. On va repartir avec le Strider en avant. On va faire attention, tant qu'on n'est pas sorti de la zone chaude, on n'est pas
Enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Bah, c'est bizarre, Froggy. Tout à l'heure, tu voyais Veldrin en arrière alors qu'il avait été en avant. C'est pas un problème de connexion ? Non, je l'avais pas. Je le voyais pas. Hein. C'était juste que j'avais l'impression qu'il était derrière. Ah, bon, je sais pas. Je sais pas, j'avais eu des bugs. Enfin, un bug bizarre hier. Mais après, c'était avec Lace, donc. Le contraste de mes JVN qui changeait brusquement. J'ai une jauge qui fait une barre, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc j'en chie un peu depuis le début. Ok, Mystery, vous reprenez votre véhicule, vous le mettez sur la route pour repartir. Pareil, Boris, tu prends le camion et tu le mets sur la route derrière. Ouais, Boris, bien reçu. Monte à bord ou on attend qu'il soit en place ? On va attendre, on va assurer la sécurité. Venez, Froggy et Vedrid, on va aller sur la route. La route, ok. Boris, est-ce qu'il y a personne derrière moi ? Ah, c'est bon, tu peux y aller. Allez hop, on grimpe. Tu vas te faire mal au dos, Veldrid, lève-toi. Aïe! Oh, Veldrid, il va être tout seul derrière! Ouais, je vais pleurer. Allez, on est parti, oh, on fait comme tout à l'heure, sauf qu'on laisse 50 mètres entre les véhicules. Rico, on est parti. Vitesse moyenne, en cas de contact, on essaie de traverser votre cockpit. Les vieux, hein, c'est ça, dites-le. Oh, au Veldrid. Si tu vois des ennemis, tu pourras leur tirer dessus, Veldrid. Ouais. Attention. Allez, Froggy! Alors, on est Froggy, on assure la sécurité. Pimpon. Alors, et qui le test? Lequel de vous deux? Où ça? Au tarse. Ouais, pareil. J'ai un peu percuté le volant. Et la ceinture alors? On met la ceinture, les gars. Hop, c'était léger au moins. Ouais. Ouais. Vous avez failli virer au rouge encore plus vif qu'avant, quoi. Pas conduire ou quoi? J'ai mis un retour Windows parce qu'on va fermer l'accès au serveur. C'est bon. Allez, on remonte. Pimpon. Allez, on remonte. Chef, oui, chef. J'aurais dit qu'on se remet sur la route, peut-être à partir. Veldrid d'abord. Rubicon, vous portez bien votre nom. Il faut arrêter le rouge, hein, Rubicon. Il faut arrêter le Bicon. C'est trop de l'archi, le coup, c'est bien. On va les appeler Rubicon.
t'accélérer, ton véhicule est arrêté. Ok, on débarque, on débarque, on débarque. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est un ennemi ça? Allez, crève! C'est bon? Oh putain! Oh non! Je suis jamais baissé bras dans le bras dans la jambe gauche! Attention! Attention, reste à l'intérieur, Froggy, reste à l'intérieur! Il y en avait un! T'es blessé où? Putain. Partout! Dis-moi! Blessé bras gauche, bras droit, jambe gauche, jambe droite! Les fumiers, oh les fumiers! Il m'a fallu qu'on prenne une autre route! Oh, j'ai vu le RPG quoi! Non! J'ai essayé de leur rouler dessus, mais je les ai pas vus, je crois. T'as vu le RPG? Le réflexe. Boris, tu nous as sauvés. Réflexe GTA. Quoique non, tu nous as pas sauvés parce qu'il a eu le temps d'avoir le... Ouais, il a cramé notre véhicule. Oh non. Je me suis fait flinguer dans le tas. Il y a des mouettes qui doivent se marrer, là. Dis-moi si t'es encore blessé, je t'ai fait un chaque. C'est bon, merci. Alors par où on va passer là? Putain. Je pense qu'il y a un petit souci à les dégager GM quand même, parce qu'avec tout ce que j'ai ramassé, j'ai perdu qu'un petit peu de sang quoi. J'en entends, il y en a encore en vie, faites gaffe. Boris, c'est mort. Ah, ok. C'est bon, j'ai fini de me soigner. Ouvre à gauche Boris, j'ouvre à droite. Je balance en charge vers là où j'entends. Ok, je suis à gauche. Sang. Non, je recharge aussi du coup. Oh putain. Ok, ouvre à gauche, ouvre à gauche, on y va. Ou à gauche. C'est bon? Y'a rien sur la route? Rien. Froggy, tu vas conduire le camion? Allez, Froggy, tu conduis le camion. Bon, après tout, l'habitacle c'est plutôt sûr. Non, attendez, on est où là? On est pas très loin. Ah si, on a quand même quelques kilomètres à faire. Y'en a... Ah non, non. Non, on est juste à côté. Non, non, on n'est pas tout juste à côté là, si? Non, on est à Tchernogorsk. Ouais, mais il y a encore un petit. Ouais. Allez, venez, on y va à pied. Venez, on y va à pied. Boris, t'ouvres la marche. Ok. Tu pars vers l'est là, Froggy, tu fermes. S'il y en a un, il est au nord-ouest encore, hein, faites gaffe. Attendez, hop. Un souvenir. S'en fout, voilà. Laisse le camion, hein. C'est la débandade. C'était moi. C'est moi ou dans les grenades, quand elles sont proches, on entend le bruit de la détonation, le bruit de la petite étincelle avant que ça pète. Peut-être bien. Très étrange. Oh, mais c'était affreux. Oh, bordel. Moi, j'étais vraiment en train de dire, ah, bah non, mais pourquoi il signale des contacts, c'est marrant. Et tout d'un coup, je vois un mec avec un RPG, et deux secondes après, c'était des pop-corns. J'aurais dû faire péter le camion, hein, mais bon. Là, j'en peux plus, là. Ouais, voir. J'ai transporté les charges pour rien, du coup. Je veux voir ma maman. Moi aussi, j'en avais des charges, tu sais. Je les ai toutes fait péter, moi. Allez, on traverse. On traverse. Il s'en va. Il on a même pas regardé s'il y avait... Bon, il sera bien. On a même pas regardé s'il y avait des survivants dans le... C'est pas possible, ils étaient cramés. Et Veldrid? Veldrid, bah, j'ai essayé d'interagir avec, mais j'ai même pas pu le sortir, donc... Et il avait l'air de quoi? Est-ce qu'il avait les chevilles autour du cou? Non. Merde, il était peut-être sauvable, alors. Je sais pas. Merde. C'est pas cool s'il est encore vivant. On fait un vote.
On fait un vote, on y retourne ou pas? Ouais, il est mort. Non, mais il était tellement à découvrir, il s'en est pris plein dans la tronche. Ouais, Morgan Boris, il s'en est pris plein aussi, il a survécu. Je traverse. Le pont est juste en face. Au pire, on recherche le camion et on revient avec honneur et tout ça. Non, il est en zone alliée. Ouais. Bon, tant pis. Hein. On va aller chercher des renforts d'abord. Voilà. On va appeler la maman de Weldrid. Et de Mystery. Et de tous les autres. Quand j'ai dit on relève la vigilance et on fonce, ouais. Non mais le mec avec son RPG quoi. J'ai vu que lui. Les mecs ils étaient en pleine percée. C'était nos équivalents d'en face. Ouais, ils ont fait la même chose que nous. Et là aussi, ils devront aller raconter au maire de leurs camarades pourquoi certains ne rentreront pas. Parce qu'il y a un mec en camion qui leur a roulé dessus. Il y a des mecs qui les ont tués en rigolant hystériquement. Il est tellement loin ce pont, putain. Et c'est juste, on doit pas le traverser. Ouais, mais c'est chiant quand même. Une lourde perte. Oh. On est parti à 9. Ah, ça pour un pays d'Europe de l'Est, ça va. Voilà, ça devrait aller.